Haïti, crise politique, insécurité. Après divers calculs et analyses qui ont été faites sur la situation du pays d'Haïti, nous avons une solution pas pour aujourd'hui. Côté acteurs n'ont pas décidé de mettre tête ensemble. Et gouvernement qui l'a quitté prétendu si Jovenel Moïse pat là. Problème pays a tab résoudre, pas tab gagner insécurité, pas tab gagner kidnapping. Jusqu'à présent, pas montré que yo à la hauteur pour capable solutionner problème pays a. Dans logique ça, administration Scoop FM nan dit pas gagner route pas bois, c'est élection pour qui fait pour pays a katounen sur rail démocratique li. Et c'est comme ça tout acteur ou bien nouveau président ou bien moun k'ap vin pour diriger pays a capable mettre population sur un rail et amener pays a dans un ordre démocratique. Dans qui pays élection pour le fait nous pas connaît. Mais dans logique ça yo t'ai choisi jour qui était 1er avril 2022 yo t'ai organisé un sondage côté t'ai gagné 6 candidats qui t'ai participé dans premier sondage là. Eh bien Jean-Charles Moïse lui-même, Lisa Sapata, tout l'autre monde yo nous voulait parler de Michel Matéli, Clarence Renoir, Éric Jean-Baptiste, Martin Moïse et pour ne citer ça seulement, eh bien nèg yo même yo prend chapelet tout beaucoup tellement Jean-Charles Moïse lui-même ni calé. Nous va l'inviter suivre résultat sondage là comment il t'est sorti, à qui pourcentage Moïse Jean-Charles frappé yo et qui est-ce qui était premier, qui est-ce qui était deuxième. Rete sous vidéo, ou ap konnen tout détails ça. Mais avant même, d'après quelques secondes seulement pour inviter ou support qu'on fait, sont capables de faire ça. Abonnez-vous avec channel Info 24 là. Songez pour activer cette cloche là pour toujours connait à chaque fois nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. Laissez like, laissez commenter, laissez partager, ça aide nous en pile. Jocelyn Privert, ancien président de la République et ancien président de l'Assemblée nationale. Michel Martelly, ancien président de la République, musicien, il était obligé de passer pouvoir à Jocelyn Privert pour continuer le processus électoral là, parce que l'élection était un problème là. Moïse Jean-Charles, candidat extrêmement populaire, mais il n'a pas gagné l'élection, il fait qu'il prend un gros baf là. Non, pendant la sortie en Afrique, aux États-Unis, ça te fait un pile scandale. Yo annulé visa Moïse Jean-Charles. Libaye conférence de presse. Actuellement, il se trouve au Rwanda. Il continue à explorer l'Afrique. Donc, Moïse Jean-Charles est un homme extrêmement populaire dans ce pays. Parce que voiture capable de montrer ça. Mais ça m'a dit. L'homme populaire ou à président. Martine Moïse, la femme, ex-première dame, femme de Jovenel Moïse, qui est veuve Jounen Jodia, qui gagnait en pile popularité dans le Grand Nord et qui, papa Marie, il était grand parti, il était monté, il était gagné en pile monde. Qui t'a suivi lui, en plus monde penser avec les jovenelistes, fogon monde qui remplacer Jovenel pour chercher justice pour Jovenel, Martine Moïse qui pas tellement jodia a très bon rapport avec Michel Martelly. Clarence Renoir, journaliste, ancien directeur de Radio Métropole, c'est une voix extraordinaire, écrivain, monsieur Gonvoi est poétique, c'est un homme simple, un homme qui inspire confiance à la classe intellectuelle de ce pays, c'est pas n'importe qui monde, et il était participé à l'élection déjà, il a retourné encore, mais cette fois-ci avec Unir, il fait en pile mobilisation, en pile jeune qui autour de lui, Clarence Renoir reste et demeure un bon candidat. Éric Jean-Baptiste, qui était surprenant pile monde dans la dernière élection. Comment elle était, Mario? Cinquième. Il construit leadership pour contre lui. Il fait
campagne li pour compter à cobli. Li travaille, même dit travail là, dit dans business que le gain. Travaille, investit l'argent. Li monter fondation. Li paye presta pour faire campagne pour etc. Évidemment, li gain pile journaliste qui bien avèl. Et Jean-Baptiste fait des efforts j'avais dit en termes social. C'est peut-être l'un des rares candidats à avoir autant d'argent. Eric, il y a un bagaille qui t'a joué en faveur. Le candidat sur RDNP, Patsy, Leslie, François, Saint-Roch, Maniga. L'onègue. C'est Leslie ou remplacer minimum pour gagner 51% de sa voix. Minimum pour gagner. Parce que Leslie sont virtuoses. Leslie, c'est un irremplaçable. Leslie, c'est l'eau. Leslie, c'est le feu. Leslie, c'est le vent. Leslie, c'est la lumière et le salut. Tu as tout, Eric. Mais il faut au moins qu'on ait trois bagailles ça, comme je dis ça, trois dans cinq bagailles ça, de Leslie. Et pour finir, je dirais, Eric, il faut avoir les raffinements de Bordia et la force de Nivonne le Terrible pour être président de ce pays. Électoral, président Jean. Merci Gary, merci GBBC. Donc nous allons bailler les résultats. Et nous avons dit avant tout que il y a des gens qui ont voté et qui voter pour l'autre monde qui part dans l'ISA, mais n'a pris l'autre sondage et n'a pris ça en compte et n'a inséré non l'autre monde dans le prochain sondage que n'a fait. Mais et après-midi, nous avons 6 candidats, Jean-Garry Soudil là, et Guénon Wilson jeudi, Guénon Louko Désir, qui a pris le monde, c'est pour vous voter. Donc nous prenons note dans le prochain sondage là. Dans la série Wilson jeudi avec Louko Désir pour nous capable voter pour nous. Mais et vote nous gagne, mais résultat vote nous gagne. Donc nous gagnons 1058 monde et qui relaient qui participaient. OK, 1058 monde, mettez sous monde qui participe sur réseau que l'on batte ban nous. Moun sa yo et yo voté pour et 6 candidats que nous te mettez dans sondage là. Nous bal bay yo, n'a bay quantité voix candidat ou fait sous 1058 là et n'a pas le pourcentage que chaque candidat ou fait et comme ça nous avons tout connaît qui candidat premier qui candidat qui deuxième etc. N'a pas commencé par candidat qui dernier ou bien sixième non et c'est Jocelyn Brivert. Jocelyn Brivert a récolté 14 voix sous 1058 là donc il a gagné un pourcentage de 1.32%. Donc Jocelyn Brivert a récolté 14 voix sous 1058 monde qui participait yo donc ça fait un total de 1.32% que Jocelyn Brivert li récolté donc monde qui était pensé parce que te met Brivert avant et nous te dit li cap gagner mais pas jam vrai et pas comme ça sondage là et donc son bail que n'tap fait avec toute objectivité que ça mandé Jocelyn Brivert il fait 14 voix et pourcentage monsieur c'est 1.32% bon s'il comptait à l'élection c'est sûr qu'il devait prendre ça en compte pour le travail pour le faire pour gagner des monde qui capable voter pour lui la prochaine fois. Candidat qui vient en 5e position hein, c'est Éric Jean-Baptiste, monsieur qui est bon point 5. C'est dans l'élection monsieur tout 5e. Donc Éric Jean-Baptiste en 5e position, monsieur récolte 83 voix. Donc sous 1058 là, ça bali un pourcentage de 7.84%. Donc Éric Jean-Baptiste fait 7.84% voix. Et dans le sondage, ça que Scoop réalisé sous 6 candidats. Candidat qui est en 4e position, hein, et il récolte 131 voix. OK? Il récolte 131 voix sous 1058 là.
et ça fait lui fait 12.38%. Candidat ça c'est Michel Joseph Mateli. Donc Michel Joseph Mateli récolté 131 voix, monsieur fait 12.38% dans sondage ça que Scoop réalisé. Bon gars vous quitter dit pour Mateli n'a pas fait sondage là, ouais pas pour Mateli parce que 12% le fait. N'a pas fait sondage là, n'a pas fait pour pays ya kawe qui moun plus ou moins population apprécié. Bon, kounya nous va le bay trois premiers. Premier, deuxième, troisième. N'a pas bay troisième nan quand même avant, hein. Troisième moun ki troisième dans sondage là, li fait 159 voix. Li gagne 15.03%. Et Gary Sot décrit là tout à l'heure son directeur, c'est un ancien directeur dans Radio Télé Métropole, Clarence Renoir, qui en pile moun connaît dans parti Unir et en pile moun dit que Clarence Renoir et c'est une voix qui capable aider pays là, c'est un monde qui capable travailler pour nous. Donc dans sondage là, Clarence Renoir fait 159 voix. Ça balle au total de 15.03% sur 1058 moun qui t'ai participé. Et puis kounya nous va le bay premier à deuxième nan. Nous va bay deuxième à bay première, hein. Nous va besoin bay deuxième nan, fon bay li. Fon bay li. Bon. Et moun ki deuxième nan, li fait 233 voix. Moun ki deuxième nan fait 233 voix sur 1058. Et li fait 22.02%. Donc 22%. Moun ki deuxième nan fait 22%, li fait 233 voix. Donc c'est Martine Moïse, donc l'ancienne première dame de la République, donc madame défunt président Jovenel Moïse. Donc li récolté 22% dans sondage que 22% moun et pas oublier non Martine font pile moun dans international là. Donc il doit ça qui permettre que li fait li et puis faut nous tout dit tout que candidat qui devant eux font pile vote nan international. Et puis pour nous finir, tout le monde est en ouais, candidat qui finit en première position c'est Moïse Jean-Charles. Ça que nous va attendre connait c'est qui va les voir monsieur gain et qui pourcentage que le fait. Moïse Jean-Charles fait 438 voix sur 1058 et ça baille Moïse Jean-Charles en total de 41.4%. Donc Moïse Jean-Charles fait 41.4% dans sondage ça que Scoop réalisé son premier mais qu'un l'autre sondage qui a venu. Donc Moïse Jean-Charles 41.4% première position, Martine Moïse 22.02% 233 voix deuxième et Clarence Renoir 159 voix 15% troisième, Michel Mateli 131 voix 12.38% quatrième, Éric Jean-Baptiste 83 voix, 7.84%, 5e. Et enfin, ancien président Jocelyne Privert qui fait 14 voix, ça bali 1.32%. Bon, nous espérons qu'on te servi tout le monde. Et bien ça, l'on va. Nous espérons qu'on te servi tout le monde. Prochain sondage, il y a fini. Avant nous aller mando, nous ne savons pas si nous avons dit, nous ne savons pas si nous dit. Et pas oublier, nous avons notre panel derrière, notre plateau. Donc, monsieur, vous avez des mots de conclusion.